Non. Si, il y avait quelque chose que tu veux réaliser quand même. Non. C'est toi, t'es quel enfant et puis t'as pas de rêve? Un, deux, trois. Je veux dire quoi? Bah, le normal, Djibril. Ah, j'ai oublié là. T'as pas oublié. T'es parti quelques mois en Côte d'Ivoire que t'as oublié. Salut tout le monde. Approche-toi un peu, Djibril, quand même là. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va nickel. La vraie question, c'est pourquoi ça n'irait pas. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je suis pas seul. Je suis avec les Benguistes. L'Ivoirien. Bref, il est rentré, ça fait maintenant 8 jours sur mes réseaux sociaux, principalement Instagram. Je vous ai également demandé sur YouTube de lui poser des questions. Ah non, les gars, il y a un problème. J'ai pas compris quelque chose. Pensez-moi, pensez-moi sur Instagram. Posez-moi des questions, je vais y répondre en vidéo, les gars. À rien. Toujours les mêmes personnes qui me posent toujours les mêmes questions. Je vous love. Mais quand c'est lui, hein. Notification, 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 c'est bien. C'est bien. Sans plus tarder les gars, je vous invite à vous abonner, en activant la cloche de notification, lâche un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et commente. Les gars, regardez comment j'ai cassé mon téléphone. Est-ce que vous allez voir? Vous savez comment? Vous savez, si vous avez regardé mon dernier vlog, vous savez comment j'ai cassé mon téléphone. Hein? Ça fait même pas 5 heures, il était dans la France. Bon, bon, bon. Au pif, toi. Les gars, on va faire des questions au pif, hein. Genre, il n'y a pas de rapport. Tu as un rêve que tu aimerais absolument réaliser? Non. Si, il y avait quelque chose que tu veux réaliser quand même. Non. C'est toi, t'es quel enfant et puis t'as pas de rêve? T'as des rêves? Et moi, à 16 ans, je sais pas, je voulais aller en Amérique peut-être. Bon, pas l'Amérique. Je veux vivre à Londres. On t'a pas demandé tu veux vivre où? C'est pas parce que j'ai dit moi je voulais aller en Amérique. Bah, j'ai que ça, frère. Mon rêve, c'est de vivre à Londres. Bah, je sais pas, wesh, wesh. Qu'est-ce qui t'inspire chez ton frère? Ah, la question elle est là, j'ai pas inventé. Question suivante. Qu'est-ce qui t'inspire chez ton grand frère préféré? Alors? Juste ses vêtements. Hein? Juste ses vêtements. C'est ça, ouais. Ça l'inspire un peu trop même. Un peu trop ça l'inspire. Parce que des fois je vois mamé deux. Sauf que ma mère elle a donné naissance que à mamé. Je comprends pourquoi il y a mamé moi. Et un autre mamé avec tous les habits à lui en fait. Mon grand frère. Va là-bas. Quels sont tes objectifs pour les années à venir? Wow. Plein de questions comme ça, moi je sais pas répondre. Et moi je suis le timide là. Moi j'ai un objectif déjà dans ma tête. De toi. La preuve que. Foufouille un peu en fait. Quoi? Tu veux bien maîtriser la langue anglaise? Bah c'est un objectif. Hey, she speak English very more, hein. Every day, every day. Ensuite. Ah, c'est tout. Non, fouille. Je sais pas, avoir un armoire rempli d'habits peut-être. Comme ça t'as pas voulu chez ton frère. Avoir un armoire rempli d'habits comme ça je veux pas chez mon frère. Voilà, t'as fait déjà deux objectifs. Avoir beaucoup de chaussures parce que là j'en ai qu'une seule. Ça fait trois. Ça rentre pas ta wishlist ici aussi, hein. Ok. Allez au hasard. Il est en couple? Non. Je le trouve beau. T'as gêné ou quoi? Tu comprends, j'ai explosé de rire. Je suis en couple avec Lolo. Avec qui? Lolo. Je dis pas coucou à Lolo si elle passe par là. Tu passes pas par ici, dégage. Est-ce que tu te sens mieux suite à l'événement en Côte d'Ivoire? Ouais. Pourquoi? Je sais pas de la tête. En fait, quand je devais sortir en Côte d'Ivoire au Mali, j'étais en mode. Genre, il avait peur. Et genre, j'ai l'impression que en fait, gros, vous m'envoyez. Genre, ouais, va chercher ça là-bas, là. Il était 23h, je dois aller acheter du pain. Moi, j'étais pas envoyé acheter du pain. Hein. En gros, on va dire, t'as eu un espèce de traumatisme de la foule. C'est ça, Djibril. C'est le traumatisme en fait. Ouais. T'as été traumatisé. Donc, oui, ça lui a laissé des séquelles. Comme ça, qu'en France. Ah non, franchement, j'y vais avec lui. Quand il y a trop de monde ici aussi. Bah, en fait, je sais pas, il y a pas trop. Donc, le problème, c'est l'Afrique en fait. Non, mais c'est les Noirs. Attends. Je rigole. Non, pas toute ta vie. On va directement à l'essentiel. Toi, comment tu l'as vécu? Moi, ils t'ont attrapé à partir de ce moment-là. Il y avait Yacine. Mm-hmm. Ensuite, il y avait papa. Ensuite, il y avait moi. Ensuite, il y avait mamie. Mais en fait, à la base, on était même pas en rang. Mais genre... c'est ça, on était sur le côté, genre. Oui, on était en train de marcher, genre, normalement. On était côte à côte. On était tous à côté. Bah, du coup, il y a un mec qui vient, il attrape Yacine par l'épaule, il vient comme ça. Et nous, vu qu'on est là et qu'ici, il y a quelque chose, on est obligé de, genre, bah, on va pas rester comme ça. Genre, on va. Bah, non. Moi, j'ai avancé tout droit. Eh, mais laisse-moi parler. Ah, pardon. Bref, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on était vraiment tous, enfin, on était en rang, par deux. Du coup, là, je me dis, faut qu'on court. Au moment où moi je veux courir, déjà je peux pas passer devant. Parce que devant il y a Yacine, il y a papa, derrière il y a mamé. Du coup, moi je peux pas aller ni devant ni derrière. Du coup, je passe par le côté, genre comme ça. Okay. Genre, je comptais passer par le côté. Ouais. Ensuite, aller tout droit. Je passe par le côté. Boum! Hey, ils ont attrapé Djibril. Bon, tout ça, vous voyez quoi? Ils ont attrapé Djibril. Nous, on n'a pas vu. Moi, j'ai avancé tout droit. Papa, il a avancé tout droit. Y a que... Et même Yacine, même quand ils ont parlé à Yacine, ils ont fait ça à Yacine. Au début, Yacine aussi, il avançait. Moi, justement, là, je suis devant avec papa. Papa, il me dit, Djibril, il est derrière. Maintenant, raconte, il y avait quoi derrière Djibril? Raconte-le. Bah, en fait, le mec, il m'attrape par le shirt. Oh, il s'est déchiré d'ailleurs. Oh, c'était mon t-shirt. Il m'attrape par le t-shirt. Oh my god. Il m'a tiré. Du coup, moi, ça me fait me retourner. Du coup, il a tiré comme ça en fait. Du coup, après moi je suis en mode pfff.
Après, là, il me met une pêche. En mode boum. Je tombe par terre, je suis en mode. Oh, je voyais rien du tout. Et genre, j'avais mon casque. J'ai mon téléphone dans la poche. Mm-hmm. Moi, ça me frappe, il me dit de mettre mon téléphone. Mon téléphone, il est dans ma poche. Je suis comme ça, les mecs sont en train de me frapper, je vais pas faire. Alors qu'ils sont en train de me frapper. Je sais pas, dans ton téléphone. Merci. Oh. Non, mais c'est vrai. Tu tapes quelqu'un, tu demandes à ce quelqu'un. Au moins, tu tapes, tu fais une pause. Donne-moi. Donne-moi ton téléphone, vite, vite là. Merci. Après, bon, je vais donner mon code en fait, il y a mon empreinte, du coup, ça se déverrouille tout seul, il me frappe encore plus. C'est pas drôle. En fait, sur le stress, j'ai donné un faux code. Ils m'ont encore frappé. Du coup, là, ils ont frappé l'enfant là. Ils ont frappé l'enfant là. Ils allaient me laisser. Sauf qu'à la fin, à la toute fin, ils ont pris mon casque. Vraiment, au moment où j'allais partir, j'avais trop. Après, je me suis relevé pour partir. J'avais perdu ma chaussure. À ce moment-là, faut savoir qu'on était sur le. Enfin, c'était une route ensablée. Du coup, bah, moi, je veux remettre ma chaussure. Et le mec, il me dit, laisse ta chaussure ici. Je laisse ma chaussure ici et je cours. Et après voilà. Du coup, tu te sens comment depuis l'agression? Bah en fait, je sais pas si c'est que au bled ou ici, mais la foule. T'es qui? Ah, c'est la question. Alors bonjour, je m'appelle Djibril. J'ai 15 ans. J'ai 16 ans le 10 décembre. Le petit frère de ma mère. Voilà. À chanter. Comment s'est passé ton séjour? Excepté l'agression, t'as pas eu d'autres problèmes? Tout hasard, t'as le palu. Non. Alors, j'ai eu l'agression. Mm-hmm. Ensuite, j'étais en train de me remettre. Mm-hmm. Puis j'ai eu le palu. Et... on dirait que j'étais un mort-vivant. Mm-hmm. Le premier jour, j'avais juste mal à la tête. J'étais en mode, oh, bizarre, j'ai mal à la tête. Ouais. Deuxième jour, c'est vraiment. J'ai du bruit, les gars. T'es KO. Une femme enceinte, le poteau il dort 22h sur 24, 24 allongé. Ah ouais. Mange, j'ai pas faim. Ok. Mange. Je veux pas manger. J'ai pas l'appétit. En fait, pensez à de la nourriture. Je voulais vomir. On est parti à la clinique pour me soigner. On fait des piqûres. Oh my god. On fait une piqûre là. Deux piqûres là. Parce que la première, ils l'ont raté. Ça a gonflé ici. Après, piqué la jambe gauche. Ensuite, la jambe droite. Ensuite, encore la jambe gauche. Marcher aussi, pouvait. D'ailleurs, quand je vous dis un fardeau. Un, j'avais trop chaud. Deux, j'étais essoufflé. Trois, j'avais les cures, c'est-à-dire que je pouvais même pas marcher correctement. C'est-à-dire que. Correctement, il pouvait pas marcher tout court. Et le truc le plus désagréable, c'est que je pouvais pas me lever, aller me brosser les dents. Du coup, j'avais. Le truc du matin, là. Pendant 4 jours, je l'ai eu pendant 4 jours. Quel truc du matin? La laine du matin. Je l'ai eu matin, midi, soir, pendant 4 jours. Wesh! Wesh! Hey, j'ai pas senti, hein! Hey, heureusement même, j'allais attraper par les directs. Non, moi j'ai. Ouais, non. Pourquoi tu rentres si tard comme ça? T'es en quelle classe? Tu fais quoi dans la vie? Bonne question. Ok, maintenant la réponse. Alors? Bah, j'ai fait 3 mapiles quoi. T'avais pas trop le choix non plus. En vrai? De vrai? Moi, franchement, j'ai bataillé pour pas faire 3 mois, les gars. En fait, il est parti avec ma mère, il veut revenir avec ma mère. Le dernier jour, on apprend qu'elle a décalé son billet encore. J'ai refait ma seconde, du coup là, je suis encore en seconde. Ah, t'as redoublé? Non, je suis au courant, je fais pas blanc. Alors déjà, j'ai pas redoublé, j'ai fait un maintien. Il a redoublé. Ensuite. Pourquoi? Parce que l'année dernière, c'était un fiasco. Eh oui. L'excuse que j'ai donnée à l'école, déjà, faut savoir que c'est mon frère qui a donné l'excuse, parce que eux, ils ont appelé mon frère. Mon frère, il leur a dit, ouais... Pas moi, hein. Même si on a dit, je suis responsable, les gars, quand même. Alou Badra, il a dit, ouais... On lui a... Les menteurs! Les menteurs! On lui a volé son passeport. T'es arrivé à l'école, tes professeurs, ils ont dit quoi? Ou tes collègues, là, t'es... Alors, je suis parti récupérer mon carnet et tout, ils étaient en mode, ah, mais c'est toi, Djibril, pourquoi est-ce que t'es arrivé sur ta... On a volé mon passeport, du coup, ouais. Les surveillants, ils étaient en mode, genre... Déjà, mon amie, elle s'appelle Sacha, elle m'a accompagné en cours. Je suis arrivé en cours, ils étaient en mode, ah, mais c'est lui, j'écoute. T'as pas dit qu'ils te trouvent trop beau, trop stylé et tout? Ils ont dit, Djibril, il a le swag, il a le style. Il a le style. Il donne à qui il veut. Bon bah, ok. Que tu voudrais repartir en Côte d'Ivoire pour les vacances d'été 2023? Ah. Ouais, grave. Franchement, j'aimerais repartir, mais pas aussi longtemps. Du coup, si moi, dans tous les cas, je vais aller en Côte d'Ivoire, donc ouais. Garde mes pieds. Plus en Côte d'Ivoire, c'est quoi ce comportement là? Faut pas faire 2 semaines non plus. Mais je vais pas faire 3 mois non plus. Genre, 1 mois et demi, 2 mois. Un mois, ça suffit, hein. Ok, c'est quoi ta destination de rêve? Dis-moi Londres, je te casse les lunettes. Et putain, arrête de toucher tes pieds, hein! C'est quoi ça? Je suis en train d'enlever les trucs là. Après la vidéo salité là! Oh là là! Du coup? Je réfléchis là. Pas les États-Unis parce que ça fait peur. Pas l'Amérique, la Chine aussi parce que ça fait très peur. Je dirais. Le Japon. J'ai pas compris là. J'ai pas compris là. Le quoi? Pour aller où? Pour aller au Japon. Je veux même pas plus d'explications. Bon, désolé, les gars, je vous ai dit les questions, je les fais au hasard. Qu'est-ce que t'as le plus kiffé en Côte d'Ivoire? La nourriture. Un exemple?
pas la nourriture, pas la nourriture. Quand on est parti manger en mode ouais, on va au resto. Merci. Parce que vous le voyez là. Ok, j'ai pas parlé sur lui, mais ah. Et comment tu ressens le fait que ton frère et tes cousins n'ont pas pu te protéger? Bah, je ressens pas, franchement. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Franchement, je hais mon frère depuis ce jour-là. Non, pour de vrai, pour de vrai. Je m'en fous, je t'ai dit. À aucun moment, tu... Genre, tu t'es jamais dit, ouais, ça trouve, il aurait pu... Bah, non. Si tu veux... Non, juste quand je voulais courir, mais que t'as commencé à dire bismillah, j'ai fait ça, par contre. Ça, c'est vrai. Mais on va deviner l'agression, hein. Et, du coup, voilà, les gars. Merci à vous tous d'avoir posé des questions à Djibril. Bon, j'ai pas pris toutes les questions, mais ça m'a fait super plaisir. T'as un mot à leur dire? Arrête de toucher tes sales pieds là. Merci à vous les gars, prenez soin de vous. Merci. On en fera de même. Merci à vous. Bye. Merci à vous. Oh my god, enlève-moi tes sales pieds de ma vidéo. Laisse-moi faire la fin là. T'es gueulasse. Merci les gars, prenez soin de vous. Bye. Ça pue là.